Salut, c'est Anouche, 23 ans, caricaturiste, étudiant en génie civil. Je suis ici en prodige car je suis passionné par la caricature et du dessin humoristique. Mes journées sont trop chargées, mis à part les études, je suis l'actualité à la télévision, je lis les journaux, je traduis en images ce que je vois, je lis, j'entends, pour les traduire sous forme de caricatures et de dessins humoristiques. Pour me décompresser, je fais un peu du sport. L'ambiance dans laquelle je vis m'aide énormément, car l'ambiance avec ma famille et mes amis est très agréable. Le dessin doit être dans mon sang. C'était ma passion première. Je dessinais avant même d'apprendre à écrire. Et mon passage dans le théâtre avec ma soeur Dylan m'a beaucoup aidé. J'aime beaucoup blaguer, rire avec mes amis. Et je trouve que la caricature est plus proche de ma personnalité. Journal universitaire et quotidien national, je suis passé par l'hebdomadaire et à la télévision. Et actuellement, je publie mes caricatures sur des réseaux sociaux, Facebook et sur YouTube. Et je publie mes caricatures lors des conférences débats, par des animations, par des dessins. La technique que j'utilise, c'est comme dans le dessin classique, il y a le crayon et la gomme. Ce qui me différencie, c'est que j'utilise beaucoup plus les marqueurs et les stabilos. Pour ce qui est de la couleur, j'utilise l'aquarelle pour le fun et tout, mais beaucoup plus Photoshop pour les envoyer aux journaux et tout. Et pour ce qui est de la technique, je suis d'un style un peu plus direct et d'un langage des plus implicites pour toucher le plus grand nombre possible de lecteurs. Et avec le monde qui va à 400 km à l'heure aujourd'hui, avec le développement de la technologie, on n'a pas le temps de penser et de dire qu'est-ce que ce caricaturiste voulait dire ou quelque chose de ce genre. Donc je ne veux pas laisser le doute chez le lecteur. Donc j'essaie d'être plus direct, plus critique aussi, parce que je ne mets pas de limite à mon travail. Ma source d'inspiration n'est pas vraiment précise. Je m'inspire un peu de tout. Je suis l'actualité internationale, l'actualité nationale. Et je m'inspire de ce que je vois, j'entends. Et en fait, tout ce qui va travers me donne des idées. Au
voyageant, en exposant à travers le territoire national, j'ai pu connaître beaucoup de talents cachés, mais malheureusement, ils n'ont pas les moyens. Mais Prodige leur a offert une chance et je remercie énormément Prodige pour cette initiative très noble, car faire découvrir des talents cachés mérite tous les compliments et je souhaite bon courage pour les candidats talentueux. Et c'est merci. Merci.